gloire. On acclame les rois des rois. Bien-aimé, c'est lui qui a fait trembler la terre. Je t'ai toujours dit la sainteté. Les saints, ce n'est pas la formule de l'Église catholique. Les jours où toi tu mourras, on va faire la messe des requiem, je ne sais moi, pour te déclarer saint. Non. Tu regardes la vie que toi tu as menée, tu regardes les petites erreurs que toi tu commets jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour dans ta vie. Alors tu doutes, tu es saint ou tu n'es pas saint. Non. La sainteté dont il est question ici, ce n'est pas selon la formule de l'homme, selon la formule de Dieu. Nous sommes saints par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déclarés saints par notre foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la sainteté selon la formule de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Il y a quelqu'un qui a compris cela? Ceux qui te comprennent, ne me trouvent pas sur plus sur ma voix. Voilà, pour notre écrivain, le thème de ce matin, les bruits qui annoncent la pluie. Les bruits qui annoncent la pluie. Amen. Je sens comme si tu es trop lourd. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, le message de ce matin, comme nous l'avons dit, les bruits qui annoncent la pluie. Derrière tout un bruit, derrière tout bruit, il y a un message. Derrière tout signe, il y a un message. Derrière tout symbole, il y a un message. Les bruits qui annoncent la pluie. Nous sommes en Israël. Et c'était une époque où il y avait la sécheresse. La sécheresse battait son plein dans ce pays d'Israël. Papa Honoré, Yakao Soubangaï, je vais avancer la caméra rapide. Et c'était une période de sécheresse en Israël. Et cette, comme toute sécheresse, vous savez, la sécheresse amène plusieurs choses. Voilà, prête-moi ton attention parce que c'est un message qui te concerne. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu écouter Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter, d'entendre la voix de Dieu? Je pense que si tu es venu ici, tu n'es pas venu pour écouter un homme. Sous ce froid, sous cette pluie, si c'était pour écouter un homme, je ne crois pas que toi tu devrais être là. Mais si tu es là ce matin, c'est pour écouter la voix de ton Créateur. C'est pour écouter la voix de ton Dieu. C'est pour écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un homme ne peut rien te donner. Amen. Voilà, dispose-toi, prête ton attention. Comme nous l'avons dit, les thèmes de ce matin, les bruits qui annoncent la pluie. Il s'était passé en Israël une époque de sécheresse. Or, la sécheresse, c'est le manque de pluie. C'est le manque d'humidité. C'est le manque de l'eau. Les ciels étaient fermés en Israël. Il n'y avait ni rosée ni pluie. Et tout était sec en Israël. Même des sources d'eau tarissaient. Même des rivières se desséchaient. Il n'y avait plus de vie en Israël. C'était une période de souffrance. C'était une période de difficulté. C'était une période incroyable. Le peuple était dans la désolation. Le peuple avait perdu d'espoir. Le peuple n'avait plus de force. Parce que la sécheresse a amené la famine dans le pays. Il n'y avait plus des herbes pour nourrir les gros comme les menus bétail. Et il y avait la désolation dans tous les niveaux. Il y avait des crises dans tous les domaines de
la vie. Il y avait des crises et des crises, Quand la sécheresse arrive, la sécheresse amène des crises. Il y avait des crises économiques. Comme nous le voyons aussi aujourd'hui. Les gens avaient perdu leur emploi. Les gens avaient perdu leur fonds de commerce. C'était des crises économiques. Et ces crises économiques avaient aussi ses conséquences. Et dans ces conséquences, il y avait des mariages qui se défaisaient. Il y avait des gens qui se séparaient. À cause de ces crises, des familles se sont séparées. Les familles bien construites, bien bâties. Mais à cause de la sécheresse qui avait entraîné des crises, les familles se sont frustrées. La maman est partie d'un côté, le papa est parti de l'autre côté. Et les enfants ne savent pas où aller. Tantôt il est chez le père, tantôt il est chez la mère. Et l'éducation des enfants était en péril. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend ce message? C'est le ciel était fermé. Le ciel était fermé, il n'y avait pas de pluie. Les familles se sont séparées, maman. Et vous savez des conséquences qui s'en suivent. Les femmes et ceux qui pouvaient aussi se remarier, se remarier. Comme les hommes aussi faisaient la même chose. Et il y avait des familles recomposées. Le papa de son côté amène ses enfants du premier mariage. La maman aussi fait la même chose. Mais comme il y avait la sécheresse, comme la crise battait son plein, chacun voulait chercher ses propres intérêts. Et il n'y avait pas de paix dans la maison. Il n'y avait pas de paix dans les familles. C'était la désolation. C'est comme toi, c'est la même période que toi tu es en train de vivre. Le ciel est fermé. Et pendant la sécheresse, peu importe les efforts que vous pouvez fournir, vous pouvez semer, mais il n'y aura pas de récolte. Vous semerez pour ne pas récolter. Parce qu'il y a la sécheresse. Parce que la semence, pour qu'il soit germé, il a besoin de l'eau, il a besoin de la pluie. Mais comme il n'y a pas d'eau, la semence ne peut pas germer. C'était des pertes sur pertes. Maman, qu'est-ce que tu as perdu? Maman, tu continues à perdre des choses. Et tu fais même ça, tu les rêves même dans tes songes. Tu as perdu un sac. Tu as perdu quelque chose. Et après quelques instants, après quelques jours, la chose se réalise dans ta vie. Parce que tu es en train de traverser une période de sécheresse. Parce que le ciel est fermé. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Tu avais commencé le commerce. Tu allais en Turquie. Tu faisais la Chine. Tu allais à Dubaï. Et le commerce allait de l'avant. Mais comme la sécheresse est arrivée, comme le ciel était fermé, et le fonds de commerce est en train de... Le fonds de commerce est terminé et fini. Tu as même perdu la semence que tu y avais entre tes mains. Parce que dans la sécheresse, le moment n'est pas favorable. Tu ne peux rien semer et tu ne peux pas récolter. Tu as un bon travail. Tu gagnes bien 2500 euros. 3500 euros. Mais lorsque tu fais le bilan de l'année, lorsque tu reçois les déclarations des impôts, tu déclares tes revenus 180 000 euros. Mais lorsque tu regardes dans ton compte, il n'y a rien. Ce sont des découvertes. -247,13 centimes. -247,37 centimes. Mais quand tu regardes les feuilles de déclaration, 180 000 euros, maman dans la sécheresse, mais importe les efforts que tu fourniras, rien ne germera. Peu importe ce que
que tu semeras, rien ne germera parce que tout est sec. Parce qu'il n'y a pas de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Amen. Tu as laissé des enfants, tu as quitté le pays, ton pays natal. La ville de ta naissance. Il y a là où tu avais des amis, la famille et tout le monde. Mais à cause de la vie, tu as cherché, tu as laissé ce pays. Et tu as pris des risques et des risques. Tu as traversé des océans. Tu as traversé des pays et des pays. Tu as rencontré des choses et des choses. Au péril même de ta vie. Et tu pensais que, une fois arrivé en France, je verrai le bonheur. Une fois arrivé en France, j'irai de l'avant. Une fois arrivé de la France, je ferai venir mes enfants. Une fois arrivé en France, j'aurai des papiers. Et je ferai venir mon épouse. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Le ciel est fermé. Il n'y a ni pluie ni rosée. C'est la sécheresse qui bat son plein. Et cette sécheresse amène des crises et des crises. Il amène même la délinquance juvénile. Et tes enfants sont maintenant troublés. Toi, tu es venu ici pour gagner la vie. Tu espérais former tes enfants. Que tes enfants aillent à l'école. Que tes enfants aillent loin à l'école avec les études. Mais où sont maintenant tes enfants? Il y a un enfant qui te dit, je ne veux plus étudier. Il dit, maman, moi je ne veux plus, je ne veux plus ce chemin. Tu as ton cœur qui saigne. Et ton cœur continue à saigner. Et tu es dans la désolation. Tu es dans les douleurs. Mais je suis venu te dire aujourd'hui. Mais je suis venu dire à quelqu'un. Et je suis venu dire à une fille de Dieu. Je suis venu dire à un fils de Dieu. J'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a quelqu'un qui a entendu cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu cela? Ce qui a dit mon bien. Ce qui a dit bien. Amen. Amen. En plein. Sécheresse, Dieu a regardé. Dieu a vu. Il a vu la misère du peuple. Il a vu la souffrance du peuple. Il a vu les problèmes du peuple. Je vais t'annoncer, mon frère, ma soeur. Tu marches et tu te poses des questions. Jour et nuit, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce que Dieu entend ma voix? Et je te dis ce matin, oui, l'Éternel a vu ta souffrance. Oui, l'Éternel a vu ta situation. Oui, l'Éternel a vu tout ce que tu es en train de passer. Comme il a dit à Moïse, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'insiste et je te le dis, Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu ta désolation. Dieu sait que tu as besoin de son secours. Et Dieu s'est levé ce matin pour faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi je t'annonce avec joie. C'est pourquoi je t'annonce cette bonne nouvelle avec joie. Que l'Éternel Dieu est prêt pour t'annoncer, pour ouvrir les cieux. L'Éternel s'est levé pour ouvrir les cieux. Ceux qui ont été élevés pour t'appeler, ils sont sous terre. Ils ont été élevés pour t'appeler, ils sont sous terre.
Jésus-Christ, on t'aime, ne faisons pas le lavage du cerveau. Nous sommes psychologues. Papa n'est pas un psychologue. Nous sommes psychiatres. Je suis pas un psychiatre. Nous sommes dans le service de renseignement. Je ne fais pas dans le service de renseignement. Nous sommes dans le service secret. Je ne travaille pas dans le service secret. Pour le lavage du cerveau. Pour te laver le cerveau. Mais je te dis, papa, je te prêche le Seigneur, le Créateur des cieux et la terre. Je te prêche celui qui a vaincu la mort. Je te prêche celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je te prêche celui qui est le donateur de la vie et de la vie éternelle. Je te prêche celui qui est le maître du souffle de vie. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Oh, mais t'es là, ils sont plus sur ma boca bien. Devant cette situation, et Dieu va voir Élie. Dieu va voir son serviteur. Dieu va parler à son serviteur. Dieu va parler à son prophète. Et Dieu va lui accorder, Dieu va lui adresser une parole. Et c'est pourquoi la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, qu'un homme ne parle que de la part de Dieu. Je ne peux pas venir ici pour te flatter. Je n'ai aucun intérêt pour te flatter. À chaque fois que l'Éternel Dieu met quelque chose dans mon cœur, je viens avec toute sincérité pour vous le proclamer. Si c'est pour blâmer, nous blâmons avec la puissance, avec la parole de Dieu. Si vous teniez le couteau pour circoncire le cœur, et nous le faisons. Si c'est pour condamner les péchés, nous venons avec ce message et nous le prêchons. Et si Dieu nous met quelque chose, si Dieu nous demande d'exhorter son peuple, nous le faisons avec sincérité. Nous ne fabriquons pas les choses. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Un prédicateur ne fabrique pas de prédication. La chair n'est pas un lieu pour faire des règlements de compte. Mais à la chair, c'est pour apporter à l'église de Dieu l'ainsi dit l'Éternel des armées. L'ainsi dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi je te dis tout simplement, c'est pourquoi je cite en te disant, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Nous ne sommes pas là pour flatter. Mais nous nous disons ce que Dieu met dans nos cœurs. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ta situation. Et Dieu se réveille, il veut changer cette situation. Dieu a vu cette sécheresse. Et ce qu'il veut faire ce matin, c'est ouvrir les cieux. C'est ouvrir les cieux. C'est ouvrir les cieux. C'est ouvrir les cieux. Et que la pluie tombe à l'abondance de ta vie. Et que la pluie de bénédiction tombe dans ta vie. Si quand Zambéa fombe la lola la tombe de l'eau. Si quand Zambéa fombe la lola la tombe de l'eau. Zambéa qui s'amoura ma pangolina vina yo. Zambéa pangolina vina yo. Zambéa fombe la lola la tombe de l'eau. Zambéa fombe la lola la tombe de l'eau. Lorsque Jésus guérissait les malades, c'est Jésus-là qui marchait dans les rues de Jérusalem. Cet homme-là qui allait de ville en ville, qui marchait de village en village, qui faisait le bien aux hommes, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui donnait les solutions aux problèmes des hommes. Cet homme, à chaque fois qu'il guérissait les malades, à chaque fois qu'il produisait des miracles, il disait à ces gens-là, votre foi, qu'il te soit donné selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi dans ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a la foi ce matin? Qu'il te soit fait selon
selon ta foi. Je suis responsable. Ma responsabilité, c'est de te dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est de te proclamer ce que Dieu a mis dans ma bouche. Ça, c'est ma responsabilité. Mais toi aussi, tu as une part de responsabilité. Toi aussi, tu as une part de responsabilité. Ta part de responsabilité, c'est de croire à ce que Dieu te dit. Ta part de responsabilité, c'est de dire amen à la parole de Dieu. Ta part de responsabilité, c'est de confirmer la parole de Dieu en disant amen, en disant amen, en disant amen, car amen signifie que cela soit ainsi, que cela soit ainsi, et que cela te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. La parole de l'Éternel fit apprécier à lui. Et Élie va dire à cet homme d'Akab. Akab, tu as beaucoup pleuré. Akab, tu étais dans les délais. Akab, tu as beaucoup gêné. Akab, tu ne pouvais plus manger. Laisse-moi te dire, Akab. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Va, mange et bois. Salomon dit, il y a chaque chose à son temps. Maman, chaque chose à son temps. Il y a un temps, s'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour chanter. S'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour danser. Tu as beaucoup pleuré, mais le moment est arrivé. Mais le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Est-ce que cette parole est venue pour quelqu'un? Et que cette personne se manifeste. Que cette personne se manifeste. Le moment est arrivé. On ne peut pas s'habituer dans la souffrance. On ne peut pas prier. Sans exaucement. Non, Dieu doit exaucer ta prière. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière. La Bible dit, il s'est écoulé bien des années. Il s'est écoulé bien des jours. Quand tu regardes ta situation, tu marches avec un cœur qui saigne. Tu marches avec des soucis dans ton cœur. Tu te dis, autant d'années dans les mariages, autant d'années dans ce pays, toutes les entreprises, j'ai entrepris toutes les démarches possibles. 15 ans sans papier. 10 ans sans papier. 20 ans dans les mariages sans enfants. Il s'est écoulé bien des années. Il s'est passé bien des jours. Oh maman, Zambazala Kana Kalandriye Naye. C'est pourquoi Élie te dit aujourd'hui, c'est le véritable Élie, c'est le Saint-Esprit, le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Jésus te dit aujourd'hui, le moment est arrivé, le temps est arrivé, ton temps est arrivé. Va manger bois. Dans le coquille, le temps est arrivé. Que toi aussi tu dans le coquille, il y a un peu témoigner. Nenge to uti koyema. Likolo e fongwama. Enga ina kotato la. Est-ce que c'est quelqu'un qui va témoigner? Est-ce que ça va te montrer qui va témoigner? Alléluia. Ma responsabilité, il y a quoi les choses dans l'obi. Ma responsabilité, il y a quoi les choses dans l'obi. Quoi est-ce qui est sa responsabilité là? Ce qui est dit, ça va pour ça la dégueu de bien. Parce que responsabilité en Zambé, et ça veut qu'on puisse y aller. Et ça veut qu'on puisse aller l'obanaïe dans la carte de la vie. C'est d'accomplir sa parole au-delà de toi. Élie, après avoir dit cela, à Akab, la Bible dit Élie monta sur le mont Carmel. C'est pourquoi, maman, tu dois demeurer dans l'église d'Élie. Parce que Élie, c'est un pasteur qui se donne pour ses brebis.
Il ne se limite pas à prêcher la parole. Mais après avoir prêché la parole, après avoir annoncé la parole, Élie ne va pas dans les fêtes. Élie ne va pas dans les fêtes. Élie ne mange pas. Élie ne boit pas. Jusqu'à ce que la pluie tombe sur Israël. Jusqu'à ce que le peuple voie la main de Dieu. Jusqu'à ce que le peuple palpe la main de Dieu. Jusqu'à ce que les malades soient guéris. Jusqu'à ce que tu trouves une solution à ton problème. C'est ça, Élie. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit Miyango? Est-ce que tu crois que tu crois que bien le Seigneur? Maintenant, Élie, là sur le mont Carmel. Oh, cet homme de David le savait. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra les secours? Les secours viendront de l'Éternel. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Quand nous parlons des montagnes, nous ne parlons pas de ces montagnes physiques. Mais nous parlons de la montagne qui est l'éternité. Nous parlons de la montagne qui est le trône de la grâce de Dieu. Maman, dans tout ce que tu as comme problème, si tu ne trouves pas la solution sur la terre, ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas, papa. Lève tout simplement les yeux vers les montagnes. Lève tout simplement les yeux vers les montagnes. Et certainement, le secours de l'Éternel arrivera. Amen. 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 Sur la montagne, Élie maintenant dit à son serviteur, va voir, va vers la mer, va vers la mer, observe qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois cet homme allait, il ne voyait rien et il est tourné vers Élie. Il a fait des tours, il ne voyait rien. Il a fait des tours, mais il ne voyait toujours rien. C'est comme toi, maman. Tu pries, tu dis, je ne vois rien. Je fais autant de services, je ne vois rien. Je fais autant de jeûnes, je ne vois toujours rien. Rien ne change. Rien ne bouge. C'est toi qui penses comme ça. C'est toi qui penses comme ça. Je vais t'amener quelque part. Allons dans la vallée des ossements. Dans la vallée des ossements. Dans cette vallée, il y avait des ossements. Et les ossements éparpillés. Alors l'Éternel envoya son serviteur, son prophète Ézéchiel. Ézéchiel arrive maintenant. Il commence à proclamer des paroles. Il commence à prononcer des paroles. Il dit que les os se ressemblent. Alors les ossements commençaient à se rassembler. Mais ces gens n'étaient pas toujours conscients. Ces gens ne savaient pas qu'il y a déjà que Dieu avait déjà commencé son œuvre. Maman,
C'est toi qui penses que rien ne se passe. Mais je te forme, il y a quelque chose qui se passe. Je te dis, il y a quelque chose qui se passe. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Ce qui m'est sageoyé pour la maman se manifeste toi. L'Oba, merci Seigneur. L'Oba, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je le crois, Seigneur. Que toi, tu vas me surprendre. Je le crois, Seigneur. Je verrai ta main, Seigneur. Amen. Akei, maman, moutou dans Zambé. Et puis ce n'est pas les hommes de Dieu déclarés. C'est toi à chaque fois qu'il les regardait et qu'il ne voyait rien, il retournait vers le peuple. Non, je n'ai pas encore vu. Non, je n'ai encore rien. Sauf qu'il te monnaie le côté maman, nous ne viendrons pas pour te flatter. Si tu es dans le péché, nous viendrons avec le paix de Dieu pour circoncire ton cœur. Si tu as un problème, Dieu mettra en nous la parole d'exhortation. Et nous t'apporterons la parole d'exhortation. Nous t'apporterons la parole d'encouragement. Mais si cela s'agit de la bénédiction, nous n'aurons pas honte de cela. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des jaloux. Mais nous sommes des frères. Si Dieu met la bénédiction, le message de la bénédiction, et que cela te concerne, je ne fermerai pas ma bouche. Je le proclamerai tout haut. Je le proclamerai tout haut. Je le dirai avec joie. Je le dirai avec joie. Que le Seigneur te bénira. Que le Seigneur te bénira. Que le Seigneur te bénira. C'est pourquoi ce matin, je te dis tout simplement, j'entends un bruit. J'entends un bruit qui annonce la maternité. J'entends un bruit qui annonce les jumeaux. J'entends un bruit qui annonce les papiers. J'entends un bruit qui annonce les enfants. J'entends un bruit qui annonce les mariages. J'entends un bruit qui annonce les relations. J'entends un bruit qui annonce, qui annonce, qui annonce, qui annonce, qui annonce. Amen. Amen. Papa, surveille-moi. Amen. Amen. Maintenant, cet homme, lorsqu'il est allé, il regarde pour la septième fois. Il retourne vers son maître. Il lui dit ceci. Maître, mon prophète, j'ai vu une Ninive qui s'élève. J'ai vu une Ninive qui s'élève. J'ai vu une Ninive qui s'élève. Derrière chaque signe, il y a un message. Derrière chaque signe, il y a un message. Derrière chaque symbole, il y a un message. Vous allez même sur les gens qui savent conduire. Quand vous marchez sur l'autoroute, vous voyez des symboles et des symboles. Cela n'est pas pour embellir l'autoroute. Mais ce sont des symboles, ce sont des signes qui cachent un message, qui cachent un langage, qui annoncent un message. Et je vis in a new way. Maître, je vis in a new way. Je vis la new way. La new way, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Le symbole de la gloire de Dieu. Quand je te regarde, maman, église oracle, je vois la new way de Dieu sur toi. Maman, je vois la new way de Dieu sur toi. Maman, je vois la gloire de Dieu sur toi. Bientôt, bientôt, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Si c'est le message qui te concerne, maman, tu lèves tout simplement ta main. Tu dis, je le reçois. Je vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Cette main avait. Non, cette nuée avait la forme d'une main. Avait la forme d'une main. La Bible dit ceci. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu met, c'est que tout ce que Dieu montre, cela a une signification. Cela a une signification. On voit une nuée. Pas à la forme d'une tête. Pas à la forme d'un pied. Mais à la forme d'une main. À la forme d'une pomme de main. Maman lit bien la Bible. Papa lisait bien la Bible.
animer avec la forme d'une mère. Je veux dire à quelqu'un, je vois la main de Dieu sur toi. Maman, le bon qu'on a zambé du corona. Maman, le bon qu'on a zambé télémi du corona. La main, c'est le symbole. La main, lorsque la main vient, c'est pour faire un travail. La main de Dieu va commencer maintenant un travail à toi. La main de Dieu va commencer un travail puissant dans ta vie, maman. La main de Dieu va commencer une vie. Va commencer une œuvre très puissante dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit cela? Dis que le bon ensemble. Mon souci, c'est que du colon, mon souci, c'est que l'inassé.
Il est écrit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Le mystère du troisième jour. Le mystère du quatrième jour, c'est le jour où le soleil se lève. Et ça, c'est le jour où Dieu a créé le soleil. Et lorsqu'il vient créer le soleil, Dieu dit ceci, il a placé le soleil dans les cieux pour séparer les époques. Pour séparer les temps, pour marquer les époques et les temps. Lorsque le soleil se lève, maman, le soleil marque fin à un temps et introduit un autre temps. Lorsque le soleil se lève, c'est pour marquer les temps et les époques. Oh, maman, le véritable soleil. Le véritable soleil, le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le soleil vient pour marquer le temps. Il met fin à un temps. Il introduit un autre temps. Or, avant Jésus de Nazareth, on comptait les temps en régressant. Est-ce que tu as déjà remarqué cela? Avant que Jésus ne vienne, on reculait, on comptait les années en reculant. J'ai dit, Claude, quand avant que Jésus ne vienne dans ta vie, tout reculait. Mais dis-là que le soleil de la justice se lève maintenant. Que le soleil de la justice se lève maintenant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le papa pour elle, maman. Voilà. Les temps, nous courons derrière, tellement derrière le temps. Nous allons prendre un moment pour la prière. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Mais voici maintenant, je vais te dire quelque chose. Vraiment, la katina qui m'ennuie. Dans toute tranquillité. Avant que la pluie ne s'abatte. Avant que la pluie ne tombe. La Bible y avait dit, il y avait quelque chose qui s'est passé. On dit. Les ciels deviennent noirs. Les cieux deviennent noirs. Maman, c'est la période que tu es en train de traverser. Quand tu vois la souffrance s'augmenter. Maman. Mon frère, ne perds pas l'espoir. Derrière cette obscurité, il y a quelque chose de grand qui s'annonce. Il y a quelque chose de très grand qui arrive. Avant que les pluies ne tombent, la Bible dit, les cieux deviennent noirs.
Dieu a mis dans le cœur de papa aujourd'hui. Dieu n'était pas abandonné.